Eh bien, bonjour à tous, vous m'avez vu là débiter des petits bouts de bois. En fait, je suis en train de faire des planches en bois de boue, là, des bio. Donc là, on les fait déjà, ils sont en collage, hein, faut encore les raboter là. Et je m'étais dit, tiens, je vais essayer un truc. J'étais parti dans mes délires en faisant une planche en fait en 3D. Donc là, j'ai récupéré des bouts de noyer, des bouts d'érable et des morceaux de chêne. Et maintenant, en fait, le but, ça va être de faire ça. C'est-à-dire, là, je vais faire une coupe à 45. Ça va se mettre comme ça, hein, avec à 45. Et après, je vais venir regreffer un morceau de chêne. Et ça va faire un truc un peu en effet 3D. Et après, je couperai en tronçon. Enfin, vous verrez par la suite de la vidéo, hein, de toute manière. Et je vais recouper en tronçon, recoller, etc. Et je pense que ça peut faire sympa. Voilà, donc, le but du jeu maintenant, bah, c'est de couper des carrés. Bah, les carrés restent carrés. Et puis, de toutes les petites baguettes, tout ça, là, les couper à 45. Donc là, j'ai réglé ma lame à 45. Alors, il y a un côté qui est raboté, un côté qui est non pas raboté. Pourquoi? Parce qu'en fait, après le collage, je vais le re-raboter en carré, une fois que toutes les trois ensembles hein, seront collés. Donc, cette partie-là, la partie-là et la partie au milieu. Voilà. Donc là, en fait, je vais couper le bouquet dans ce sens-là. Et après, je viendrai faire un rabotage final. Donc maintenant le but ça va être de coller ça comme ça et de coller ça comme ça. Alors je sais pas trop comment faire. Soit je mets de la colle là, la colle là, la colle là. Je mets tout ça comme ça. Et après je saucissonne et du scotch. Soit ça va être peut-être plus simple. Je mets un scotch comme ça. Je retourne, je mets la colle et après je viens mettre. Et comme ça, ça va tenir l'angle. Je vais plutôt faire comme ça. Après, là, les petits défauts, c'est pas trop grave parce que une fois qu'il va être collé, en fait, après je vais le raboter encore les quatre faces pour être bien, bien nickel. Allez, parti. Donc le premier but du jeu, c'est de mettre du scotch. Autant vous dire que pour ce projet, il va y avoir beaucoup de scotch. En voilà. Bon, vous avez compris le principe. Je vais coller en premier celles qui sont les plus belles. Que ça soit dans ce sens-là. Je commence à faire des conneries. Les planches à 3D comme ça, c'est vraiment le... Le truc, c'est qu'il y a 40 milliards de collages tout le temps. J'en avais déjà fait, pas en vidéo, parce qu'à l'époque, je faisais pas de YouTube. Mais il y a toujours plein de collages. Mais ça fait des résultats super sympas. Pas super sympa, je sais pas si ça se dit. Super joli. Bon, ça va assez vite comme ça. Je sais pas combien de baguettes je vais utiliser. Donc j'en ai préparé une dizaine. Et maintenant, mettre la colle. Alors, je vais essayer mon pinceau, là, que j'avais reçu quand j'avais commandé un jerrycan de Titebon 3, là. Alors, Titebon 3, en fait, c'est la colle qui est agréée pour... Enfin, agréée. Elle est agréée sur papier, quoi. Pour contact alimentaire. Bon, ça marche pas mal, ça. Toc, et... aussi là. En fait, les planches en bois de boue, tout est dans le collage, la réussite. Toute la réussite est dans le collage. Parce qu'après, s'il y a un endroit qui est mal collé, tout de suite ça se voit. Alors, je sais pas comment je vais la serrer, soit serre-joint, soit serre-joint, soit scotch. On va essayer. Alors, un carré. Donc ça, bah, facile.
et on rajoute le carré. Je crois que je vais le faire avec serre-joint. Il va en avoir 40 serre-joints. Ouais, serre-joint, ça sert quand même mieux. J'aurais pu le faire aussi, je sais que mon père il faisait ça quand il faisait des collages un peu comme ça. C'était, il prenait des chambres à air qu'il coupait en petites tranches et ça faisait des élastiques. Et il faisait ça comme ça, mais j'ai pas de chambre à air. Donc, par contre, j'ai recherché des serre-joints. Autant vous dire que, heureusement que c'est de la Tidbon, ça sèche assez vite. Parce que j'aurais pas assez de serre-joints sinon, pour faire toutes les baguettes à la fois. Bon, du coup, je peux coller qu'une baguette par une baguette. Ça va être long à faire, cette planche. Voilà. Bon, on va attendre que ça sèche et puis coller les autres. Bon, la petite bon, elle sèche assez vite. Là, il fait assez bon. Ça fait combien? Ouais, 21. Donc ça va sécher assez vite. Voilà, tous les petits bouts sont collés. Autant vous dire que c'est long à faire. J'ai l'impression que ça n'a pas joint super bien. Bon, je vais raboter. Et puis on va voir. Alors, résultat de mes collages. Et ben, ça a tout foiré. Alors, celui-là, il est bien. Vous voyez. Bon, là, je ne l'ai pas encore raboté, mais il est propre. Par contre, les autres, ben, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai fait. C'est de ma faute. J'ai serré, en fait, ici. Ici et ici. Et en fait, le fait de serrer comme ça, ça a écarté là. Il aurait fallu que je mette un comme ça. Et après, donc en fait, faut le faire en je sais pas si c'est en deux temps, faut le faire. Je pense que j'aurais dû le faire en faisant comme ça, en fait. Mettre les trucs, les en coller. Et après, les saucissonner comme ça. Bon, bah voilà, c'est pas grave, on va recommencer. Hein. Ça arrive, hein. Ça fera du bois de chauffage. Ça fera du bois de chauffage design, en plus. Sinon, ça va être super joli. Bon, bah, ça va me permettre de voir aussi les petits défauts. C'est que là, mon érable, vous savez, il était piqué par endroits. Et là, en fait, ça va se voir. Et ça, c'est pas joli. Donc, il faut que je trouve de l'érable qui ne soit pas piqué. Et l'autre chose, c'est que ma baguette, là, je vais la mettre plus petite. Pour que ça fasse un effet plus prononcé. Pour que le carré, en fait, là, ça fasse vraiment plus gros, en fait. Et que ça fasse vraiment plus fin pour faire comme si c'était des rainures en fait. Vous voyez, clac, clac. Et quand on se met en visu comme ça, voilà, ça fait 3D. Mais là, voilà, ça ne va pas du tout parce que ça, c'est l'érable qui est piqué et ça, c'est trop gros. Donc, il faut que je le fasse près de la moitié. Il faut que je le fasse de 10. Et 10, ça va me permettre de faire des joints qui vont être plus précis. Là. Bon, bah écoutez, on peut en tirer une conclusion, c'est que bah, les planches comme ça, c'est pas simple à faire. Donc je vais pas vous refilmer le rabotage, les collages. Alors le collage, je vais peut-être le filmer parce que je vais faire en bandeau pour voir si ça marche mieux. Et puis voilà quoi. Allez, bah pour vous ça va durer pas trop longtemps, pour moi ça va durer un petit peu plus longtemps. Et puis bah, j'aimerais bien arriver à faire ça quand même. Bon, j'ai tout recoupé. Enfin, j'ai tout refait. Donc, j'ai fait des baguettes. Donc, ça, c'était ceux qu'on loupait. Hein. Complètement foiré, là. Donc, j'en ai profité. Donc, j'ai descendu les baguettes. J'ai changé l'érable. Parce que si là, il avait des petites attaques de bébêtes. J'ai donc l'érable, j'ai viré. J'ai mis du frêne, qui est blanc aussi. Hein. Pas aussi blanc que de l'érable, mais bon, ça ira. Voilà, donc ça, ça, et toujours le chêne. Alors j'ai fait exprès, là, d'être plus grand, parce que ça, après je le rabote. Là, une fois que ça, je vais raboter là et là. Et comme ça, je serai nickel. Alors maintenant, but du jeu, parce que je ne vais pas refaire. Après, si je refais, je fous la poubelle, je fais autre chose.
Donc là, ça va être de coller ça pile poil. Donc là, c'est là que on y arrive ou on n'y arrive pas. Et comme je disais, c'est la dernière fois que j'essaye. Je vais mettre un scotch là. Parce que ça me maintient mon truc. Alors je vais essayer avec ce scotch là. Je pense qu'il colle un peu plus fort. Voilà. Il est plus large déjà. C'est du scotch, vous savez, pour faire des pare-vapeurs. Je ne peux pas le dire, je l'ai récupéré d'un chantier. Voilà. Là, on serait pas mal. Hein. J'ai l'angoisse de coller maintenant, là. J'ai pas envie de les refaire. J'aimerais bien quand même y arriver. Alors, sur les carrés, là, j'ai fait une face rabotée. Enfin, j'ai fait deux faces rabotées. Les autres, elles sont pas vraiment rabotées. Parce que de toute manière, elles vont être rabotées après. Toc. Et toc. Et on va faire comme j'avais fait tout à l'heure. J'avais fait, c'était serré là. Et en fait, le problème de serrer là, ben, ça écarte là. Donc au pire, je vais mettre du scotch partout. Et je vais serrer. Je vais serrer d'une part. Je vais faire avec du scotch. Déjà, je vais en faire une, après je vais voir. Bon allez, soyons fous. De toute manière, je vais en coller qu'une. Je vais vérifier après, parce que si, c'est ma bonne manière de faire. En tout cas, ce pinceau, c'est vachement bien. Si vous avez l'occasion d'en acheter, c'est vachement bien, parce que on parle des pinceaux qu'il faut mettre dans l'eau, etc., etc. Celui-là, vous le laissez sécher. Comme c'est une espèce de silicone, après, vous faites... et hop, toute la colle se barre. Même pas besoin de nettoyer. Bon, j'espère que ça va marcher ce truc, parce que suffit de trouver la technique pour faire. Bon, allez, courage, fuyons. Côté raboté. Ça m'a l'air pas mal. Le problème, c'est qu'au milieu, je peux pas voir. C'est pas mal, hein. Alors, je sais pas si je vous voyais bien, mais ça plaque. On va dire ça plaque. Bon, je vais en coller une. Bon, c'est pas super pratique, quand même. Bon, ça plaque bien partout, hein, quand même. Par contre, avant de coller tous les autres, je vais valider ici, là. Donc, rendez-vous pour vous dans 2 minutes. Enfin, non, même pas 2 minutes. Pour vous, rendez-vous tout de suite. Et pour moi, j'attends que ça sèche. Le dernier petit saucisson à défaire. Et le truc là, alors ça s'enlève mal, ça s'enlève très mal même, mais bon, je vais le raboter, ça va l'enlever. Et par contre, mes collages ont l'air nickel là. Bon, ça, je vais pas me prendre la tête, je vais les raboter. Alors, mes bouts de bois sont rabotés. Alors, au niveau des trucs, c'est super bien collé. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que je dis ça, mais c'est nickel. Il y a celui-là qui est un tout petit peu décalé. Mais je pense que c'est celui-là, il va jusqu'à là. Mais bon. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc là, j'ai préparé un échafaudage de trucs, et maintenant le but du jeu, ça va être de les coller comme ça pour après les recoller
pour après les recoller dans l'autre sens. Bon, espérons que ça va pas foirer le collage. Alors, petite bombe et mon petit rouleau. Petit rouleau, je le garde dans une pochette comme ça. Ça évite qu'il sèche et ça évite de imprégner à chaque fois la petite mousse là. Peut-être mis beaucoup de colle. C'est bien mis un peu là. Et ça dégueule de partout. C'est bon. Je pense que ça ira. Et ben voilà, et puis qu'à attendre que de nouveau ça sèche. Ça dégueule de partout, c'est bien. Alors j'ai raboté la planche. Le seul truc que j'aurais pu prévoir en fait, c'est sur ces baguettes, les baguettes en noyer en fait, de les faire un peu plus épaisses par rapport aux baguettes de frêne. Parce que en fait, comme j'ai raboté pour remettre bien, j'ai perdu un petit peu en épaisseur ici par rapport à là. Voilà. Bon, je saurai. Voilà, on ne pense pas à tout hein, des fois. Donc maintenant, le but du jeu, bah, ça va être de faire des petits tronçons de, on va dire, 4,5 cm à peu près. On va mettre 5 même. Et puis après, bah, de les recoller. Collages sont nickel, même au milieu. Oh, il y en a peut-être un là, mettre de côté. C'est pour enlever les petites bavures là de coupe pour éviter que ça fasse sur une surépaisseur au collage. Ce serait dommage de se louper dans le dernier collage. Et celle-là, il y a un petit défaut de nœud là. Donc, je vais la mettre au bout. Donc ça comme ça, et je vais prévoir une baguette là pour quand je vais raboter que ça éclate pas. On est reparti pour un collage. Toc, toc, toc. Vous voyez ce que je vous disais en fait là, j'aurais dû prévoir un petit peu d'épaisseur en plus sur le... Bon, ça se voit pas trop, mais quand même. Voilà, et ça en dernier. J'essaye de bien étaler la colle pour être uniforme parce que s'il y a un surplus de colle à un endroit, en fait, ça fait après au serre-joint, c'est super dur de le rattraper. Essayer de désaligner. Ça me semble pas mal là. On peut même le mettre là. Comme ça, ça me libère pour le serre-joint. Et ça dégueule de partout. Super! Oh. Oula! Ah, je serre trop. Et ça m'a éclaté les trucs! Décidément. Ah, je vais pas y arriver, cette planche. Pourquoi tu t'es défaite, toi? Ah, zut. Ah, c'est la galère, c'est la galère, c'est la galère. Oh là. Cata, 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 cata. Bon, je vais pas mettre de trucs là. La première fois que ça m'arrive, ça. Hop! Oh, c'est pas possible, hein. Il y a tout. Ah, tout se passait bien. Et voilà. Trop serré, trop serré, trop serré. Ah, c'est de début jusqu'à la fin, cette planche. Essayer de la rattraper. On va aller. J'espère.
Bon, on verra ce que ça donne. Oh, puis j'ai inversé, là. Oh, je vais pas y arriver. Attends, je vais la défaire juste là. Oh, c'est pas possible. Puis la colle qui va commencer à prendre. Ah, zut, 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 zut. C'est pas dans ce sens-là. C'est la galère. J'ai de la colle partout dans les doigts. C'est juste la galère. C'est une catastrophe. Bon, bah ça donnera ce que ça donnera. Tant pis. Une vraie galère. Bon, je vais mettre ça dessous. Parce que sinon, ça va coller sur mon plan. Bon, bah c'est pas une réussite, mon collage. Bon, et ben on va voir l'état des dégâts. Bon, en parallèle, ouais, un peu là. Ouais. Parce que ça va donner tout ça. Des fois, c'est comme ça. Hein. Des fois, c'est la misère. Ben là, c'est la grosse misère. Et ben c'est... Oh, c'est pas super beau là. Par contre ici ça va. Donc bah, cette rangée là, je pense que je vais la faire sauter et puis ça devrait aller. Bon, je vais raboter ça. Alors moi je vais la raboter. Alors à savoir c'est que le rabotage de bois en bois debout, hein, c'est-à-dire donc comme ça en bois debout. Si vous avez une petite raboteuse, faut mieux éviter. Oui, je disais donc, avant d'être interrompu, le rabotage en bois de boue comme ça, si vous avez une petite machine, bon, je ne vous promets pas que ça marche du tonnerre de Dieu. Et après, c'est un rabotage qui use les fers, enfin qui désaffûte les fers, on ne va pas les user, parce que bon, user les fers, c'est un peu plus compliqué. Et après, de toute manière, dans tous les cas, quand, si ça passe, si vous faites un essai et que ça passe sur votre raboteuse, faut vraiment y aller par petite passe. Même moi, c'est une machine qui est puissante, mais j'y vais vraiment très doucement. Et là, vous pouvez voir, donc j'avais collé un bout en boue, ouais, on peut dire ça. Ça évite en fait, quand la lame en fait va arriver sur les derniers là, ça évite en fait l'arrachement de la dernière partie, quoi. Là, je vais essayer de vous faire un peu en gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, ben, les conneries de tout à l'heure, ben, forcément là, ça n'a pas jointé parce que. Et derrière, c'est encore pire. Là, c'est vraiment dommage. Donc, ben, ce que je vais faire en fait, ben, moi je vais la recouper là. Ça va partir à la poubelle. Bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Là, il y a une qui n'est pas super jointive. Et là, bon, un petit défaut. C'est pas trop mal, quand même. Malgré tous les péripéties qu'il y a eu. Alors, voilà, j'ai tout poncé. Oh, il y a des petits défauts. Voilà, il y a un petit défaut là, un petit là. Quelques petits défauts. Alors, pour la finition, je vais mettre ça. C'est du cutting board. C'est de l'huile spéciale pour les planches à découper. Voilà, donc ça c'est une planche qui en fait qui va être en lot. Voilà, elle est propre hein, en final. C'est une planche donc qui va être en lot parce qu'on organise un vide-grenier de village. Là, je fais partie de l'association. Et donc ben voilà, on fait une petite tombola, il y aura plusieurs lots à gagner et ça s'en fera partie.
Voilà, bon, je pense que c'est, voilà, c'est une tombola à genre 2 euros. Bon, les gens, voilà, c'est plus pour faire histoire de marquer le coup, quoi. Si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Au contraire, moi je serai à la buvette, au knack. Je suis au service barbecue. Voilà, je m'occupe du barbecue, il y aura du jambon à la braise, il y a plein de choses. Voilà, vous savez tout. Donc après, là, je vais attendre que ça sèche un peu. Et après, il faut passer à un autre produit avec cette gamme de produits là pour planches à découper. Je vous montre. Alors, on va essayer de trouver un bout de chiffon qui n'est pas... Bon, après, ça se mélange, c'est pas très très grave. Voilà, et donc après, une fois qu'on a passé l'huile qui a imprégné le bois, eh ben, il y a ça pour la faire lustrer, en fait. C'est une espèce de pâte résine, de cire. Vous voyez ? Alors, c'est complètement alimentaire, hein. C'est fait exprès pour les planches. Je vous mettrai la description, j'ai trouvé ça sur Amazon. Les Américains, dans les vidéos là, qui font sur les planches à découper, ils servent souvent de cette marque-là. Alors ça sent super bon, là je sens rien parce que je suis enrhumé. Je sais pas chez vous, mais ici, c'était à froid de canard, il a même neigé. Et donc, une fois que vous avez passé ça, vous voyez, ça fait un effet patiné en fait. Et alors, par contre, toucher, c'est bien doux, 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 doux. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous quitter sur ces petites images avec mes péripéties de la planche. Comme quoi, c'est jamais simple de faire quelque chose. Et des fois, ça marche tout du premier coup. Et des fois, vous voyez, ça marche pas génial. Mais bon, on est arrivé à quelque chose de assez satisfaisant au final. Je pense que, voilà, bon, on voit qu'il y a... avec l'huile, en fait, on les voit plus, les défauts, là. Je suis en train de les chercher. On voit un tout petit lin, un autre petit lin, et c'est tout ce qu'on voit. Bon, honnêtement, on peut mieux faire. Hein. On peut aussi moins faire bien. On peut mieux faire, mais on peut aussi faire moins bien. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Allez, je continue ça, et puis je vous dis à une prochaine pour une vidéo. En ce moment, j'en sors pas trop, parce que j'ai... un petit peu plein de trucs à faire, et voilà, mais je vais reprendre mon rythme vidéo que je faisais auparavant, hein. Voilà, je suis désolé, mais c'est des petits impératifs des fois, puis voilà quoi. Allez, bon, au final, c'est pas mal, hein. Ouais, bon, l'effet 3D, c'est pas mal, hein. Allez, sur ce, ciao, ciao, merci. Ah, ça fait un effet 3D. Il y a le frein un peu... plus blanc, ça a été plus joli. Là, ça va. Là, pourtant, les baguettes, elles étaient blanches. Donc quoi, hein. Avec de l'érable, ça aurait été mieux. Mais bon, l'érable était tout pourri. Bon, allez. C'est que tu m'en as fait voir, toi, hein. Méchante. Pour la peine, je me servirai pas de toi. Ah, il y a un petit défaut là. Pas simple à faire ça quand même.